supposed to. Devant l'étendue de ta grandeur, tu es tout puissant et parfait, revêtu de majesté, et tu es, oui tu es. De l'univers, et tu es.
Merci encore toute l'équipe pour ce chant magnifique. Avant d'aller plus loin, avant qu'on parle de ce chant, est-ce que vous pouvez vous présenter tout simplement qui vous êtes, d'où vous venez, tout ça quoi. En tout cas, on est très heureux d'être ici avec vous. Merci de nous avoir invités, de nous avoir accueillis. Je m'appelle Rémi Conné et je suis leader du groupe Alpha Music. Je suis marié, j'ai 3 enfants et je suis assistant d'éducation. Le groupe est constitué de 7 personnes et on a Jean-David qui est bassiste dans le groupe. J'ai Joël qui est guitariste, Ophélie qui est lead vocal, Daniel là-bas qui est claviériste. On a Nicolas Millet qui est aussi guitariste et Emmanuel Kim Piatou qui est le batteur du groupe. Excellent. Alors, depuis combien de temps existe ce groupe Alpha Music ? Le groupe Alpha Music a été fondé depuis 2017. Ah, c'est assez récent au final. C'est assez récent, oui. Et comment ça s'est... Est-ce qu'on peut avoir la genèse un peu du groupe ou En fait, ça s'est fait un peu, on va dire, c'est un peu étrangement. Donc, Dieu a réuni en fait les différentes personnes que vous voyez là, les différents membres du groupe. On fait partie tous de la même église. Et en fait, t'en as qui viennent du Congo, de la Côte d'Ivoire comme moi, d'origine. Et il y a des Français qui étaient là qui aussi. Ils sont français. Français de France. Voilà, français de France. Et en fait, quand on s'est retrouvés tous dans la même église... Et on avait tous un projet dans notre cœur. Dieu avait déjà mis en fait d'avance ce projet-là de former un groupe dans notre cœur. Et on s'est réunis et puis on a parlé de cela ensemble. On a vu qu'il y avait quelque chose lorsqu'on passait à l'église pour chanter, pour louer Dieu. Les gens étaient toujours touchés par ça. Et donc on s'est dit pourquoi pas former un groupe de louanges comme Dieu le souhaite pour ensuite proclamer l'évangile au travers de la louange. Excellent. Et pourquoi Alpha Music ? Alors, Alpha Music, pourquoi on a débattu longtemps sur le nom du groupe, notamment de choisir entre Alpha et puis un autre nom. Et en fin de compte, c'est que j'étudie l'hébreu et le grec aussi. Et donc, un jour, pendant qu'on cherchait le nom, j'avais vraiment reçu, pendant que j'étais dans le salon, ce nom, Alpha. Je n'ai pas compris pourquoi. Et j'ai dit, OK, bon, on est en train de chercher un nom, je vais proposer ce nom. Je sens que ça vient vraiment de tout mon cœur, du cœur de Dieu. Et donc, j'ai proposé au groupe, est-ce que le nom Alpha vous dit quelque chose ? Et donc, Nicolas m'a dit tout de suite, yes, c'est ça, c'est ce qu'il faut. Donc, on a choisi le groupe, le nom Alpha, parce que si on veut parler du commencement. La Bible dit que Jésus est le commencement de toutes choses. Et donc, c'est le commencement d'une chose nouvelle que Dieu fait. Et donc, on aimerait apporter vraiment cette nouvelle chose au peuple de Dieu et à ceux qui nous écoutent, quoi. Super. Donc, si j'ai bien compris, que j'ai suivi un peu votre actu, vous avez déjà sorti un premier album. Oui. Un seul. Un autre est en préparation. C'est ça. Et le chant que vous venez d'interpréter est justement une exclue. Il va faire partie du prochain album. Ceux qui vous suivent, là, on a quelque chose de tout frais, de tout neuf. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette composition ? Comment vous l'avez composée ? Pourquoi ? Dans quelles circonstances ? On veut tout savoir. Je commence ? Vas-y, okay. Donc, en fait, c'est tout simple. C'est qu'un jour, j'étais au salon, et puis je méditais la parole de Dieu. Et je lisais notamment le livre de Colossiens, chapitre 2, et où la Bible parle, en fait, de Jésus, qui est, en fait, l'image du Dieu créateur. Il est le premier-né de toute la création. La Bible nous raconte l'histoire de Jésus en nous disant que Jésus est puissant. Tout ce qui a été créé par lui, et le visible, comme l'invisible, a été créé par Jésus. Et donc, ça m'a inspiré, du coup, à commencer à écrire des textes, tout simplement, au début. J'ai eu un air qui est venu, j'ai commencé à écrire. Ensuite, je me suis rendu chez Ophélie et Nicolas pour écrire, en fait, tout le texte ensuite des paroles. Et puis, du coup, en fait, il avait son petit carnet avec une petite phrase par-ci, une petite phrase par-là. Et en fait, du coup, je me suis vraiment imprégnée des textes qu'il a aussi étudiés. Je m'en suis imprégnée aussi des mots qu'il avait choisis précisément. Et on voulait vraiment faire... On voulait vraiment, en fait, que dans ces textes, on y voit l'immensité de Jésus, en fait, de la personne de Dieu. Et que les personnes qui écoutent ce chant, qui le vivent et qui le chantent, puissent aussi comprendre vraiment la toute-puissance de Dieu, qu'il est partout, il voit tout et il peut tout surtout. Et du coup, voilà, il a commencé à écrire et puis du coup, j'ai rajouté quelques phrases, un autre petit air pour le refrain et ça s'est fait voilà, comme ça, D'accord. dans un salon. Excellent. Et du coup, si j'ai compris, vous avez composé à deux les paroles, quoi, plus ou moins, tu as commencé, tu as complété. Et la mélodie, pareil, du coup, ou c'est juste toi qui as fait la mélodie ? Alors, la mélodie, tous les musiciens ont participé. Donc, j'avais déjà, en fait, l'air de départ. Ouais. On s'était dit, toute la composition des accords,
Ça, je l'avais déjà, en fait, fait. Okay. Et ensuite, tout ce qui est mélodique derrière, bon, c'est les musiciens, ensuite, qui ont travaillé là-dessus. J'avoue, j'ai un peu du mal à suivre, donc j'essaie de récapituler. Ouais. Vous avez écrit les paroles ensemble. Voilà, ouais. Mais vous aviez que les paroles. Un début d'air. Et puis là, vous arrivez, vous réunissez tout le groupe. Voilà. Et on a une chanson, tu plaques les accords, et tu fais... Mais il n'y a pas de mélodie, quoi. Voilà. Et puis là, il y a Manu qui dit, attends, j'ai... Voilà, j'ai ça, voilà. Ouais, on peut faire ceci. Voilà. Ah ouais, et toi aussi. Voilà. Tout le monde, quoi. Ouais. Vraiment tout le monde. C'est vraiment original, comme quoi. Ouais. C'est la première fois que vraiment, alors, composer à plusieurs, ça j'ai déjà entendu, mais vraiment en mode, on arrive, on a juste les paroles, les accords, voilà. Et puis chacun donne son petit bout de mélodie, c'est... Et on essaie, en fait, de... On fait partager d'abord, en fait, le morceau au groupe, on les fait écouter, on chante sans jouer, pour voir ce qu'on ressent, pour voir ce que les musiciens ressentent. En chantant ces chants. Ouais. Et ensuite, après, ils donnent des idées. Bah, ça serait, je pense plutôt à ça comme arrangement. Et puis ensuite, après, on essaie de voir ce que ça donne. Et on travaille dessus. Il y a des idées qu'on laisse complètement de côté. Et parce que ça ne va pas avec le chant. Et puis, bah, à la fin, on est tous généralement d'accord avec... Et puis, petite anecdote sur ce chant, du coup. Ouais. C'est un chant qu'on a écrit, en fait, dès le début. Dès qu'on a commencé, dès le premier album. Et on ne sait pas pourquoi, on ne l'a pas mis dans le premier album. Voilà. D'accord. On avait une autre vision des choses pour le premier qui s'appelle Tout est accompli. Et en fait, ce chant dormait depuis déjà du coup, 2 ans et demi, presque 3 ans, jusqu'à aujourd'hui, où je trouve que du coup, il a toute sa place. Voilà. Super. Absolument. Ouais. Mais du coup, vous l'avez déjà fait tourner dans vos concerts ou dans vos tournées, ce chant-là? Ah oui, carrément. La première fois. Mais vous l'avez jamais joué en public, non, quoi. Jamais. Ah, donc c'est vraiment une vraie exclue, quoi. C'est ça. Waouh, super, excellent. Merci beaucoup pour ce témoignage et l'histoire de cette chanson. On vous invite bien sûr à les découvrir sur leur chaîne YouTube aussi, sur les réseaux sociaux. Vous les retrouvez Alpha Music, c'est assez facile. Et puis bien sûr, si vous avez aimé ce chant, n'hésitez pas à le reprendre dans votre église, parce que c'est le but de pouvoir apporter un chant nouveau dans l'église, dans vos églises, dans vos assemblées. Soyez bénis pour tout cela. On vous mettra le lien de la partition juste en dessous dans la description. On compte sur vous pour partager cette vidéo, pour faire connaître ce groupe et pour commenter et faire progresser tout ça. À bientôt. À bientôt. À bientôt.